Salut à tous, c'est Mister Freeze. On se retrouve pour la suite de Final Fantasy VII. Alors, je vous avais quitté à Gongaga, enfin juste après Gongaga. J'ai fait la route en entier. Gongaga, vous voyez là, le point vert c'est nous, Gongaga 7. Putain, c'est si loin que ça? Bah, c'est le point central, il me semble, qui est à droite. Bizarre. Voilà, là où je regarde là. Bref, c'est bizarre que ce soit aussi loin. Enfin bref, ouais, ça doit être ça. Donc là, on est venu en buggy jusqu'ici. On va, hop. On va donc rentrer dans cette ville. Qui est assez sympa, franchement, c'est une ville mémorable, on va dire. Dans FF7. Faut dire non, sinon il ne nous laisse pas entrer. Voilà, voilà. Alors là, les dialogues sont un peu bizarres, il fait qui est Nanaki, machin, c'est quoi ce bordel. Bah c'est simplement parce qu'en fait, c'est le vrai nom du perso, Nanaki. Et moi je l'avais renommé Nanaki, donc ça fait un peu bizarre. Mes persos sont dans un état dégueulasse, c'est normal. C'est parce que j'ai fait un peu de level up et puis j'ai obtenu un peu d'argent. Parce que ça c'est un endroit où... où l'argent compte, on va dire. Parce qu'il y a des armes et des matériaux sympas. La musique est vraiment, ouais, elle est vraiment cool. Je vais quand même faire un truc parce que j'entends que c'est trop rapide. Voilà. Voilà, donc c'est ça. Je vais enlever ça, parce que je sais qu'il y en a que ça lui gêne. Voilà, donc là, on a... Parce que c'est trop lent comme vitesse. On va acheter le tranchant papillon. Vous voyez, j'ai déjà perdu presque la moitié de mon argent. Et le vulcan... Et je peux même pas acheter la barre d'argent quoi, c'est vraiment abusé. Putain, c'est trop lent! Non, tais-toi! Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, j'avais augmenté les tests, tous les dialogues pour préparer la vidéo. Pour faire des trucs hors vidéo, et puis du coup. Il y a des limites quand même. On va voir. Ça devrait aller. Alors, oui, vendre. Mais putain! Je voulais faire vendre, pas quitter. Voilà. Donc, le truc, c'est que je sais pas, ça se vend quoi. 160. Voilà, c'est un peu de la merde quoi. 900, 1200. Donc, ça là, le moyen. Franchement, pas plus long, du coup. Vous voyez, même malgré le fait que je fais quelques combats, bah, j'ai quand même pas assez d'argent, quoi. C'est... Tant pis.
En touchant un papillon, il y a un slot de plus que celle que j'ai. Et qui est un peu plus mieux. D'ailleurs, c'est quoi les mieux là-dedans? Je vais vendre des bracelets, tiens. Ça me sert à rien. C'est chiant qu'elle nous répète sa phrase à chaque fois, là. Bon, on va vendre ces saloperies. Alors, 175, 900, 140. Ça sert plus à rien. 150, 175. J'hésite. 400, 175. On va vendre celui-là. Puis la dévoreuse aussi, d'ailleurs. Parce qu'elle ne sert à rien, du coup. Quoique. Ça, j'ai envie de le vendre. J'ai peur qu'il soit bien. On va vendre le mégaphone, de toute façon, quel site on va pas l'utiliser tout de suite. Bon, j'aurais dû racheter. Bon, je suis désolé, je vais relancer. La vidéo, c'est que. C'est que ça, t'sais. Ce qu'il a. Ouais, voilà. Bon, allez, on va en acheter un autre. Voilà. On va s'arrêter là. Donc là, on va aller au nord. Au nord. On va aller en haut, par la barrette pour sa valeur d'affection. Donc là, il faut dire oui contenu pour augmenter sa valeur d'affection. Redire ça pour encore augmenter. Voilà, alors ce qu'il faut savoir, c'est que là c'est fini la valeur d'affection, on peut plus les bouger. C'était le dernier dialogue qui modifiait la valeur d'affection, ça. Je me suis chié complètement dans deux endroits pour la valeur d'affection. Le premier, c'est la prison de Corel, quand on doit accompagner Barrett pour aller voir Dane. Faut pas prendre Tifa ou Aerith si vous voulez pas augmenter leur valeur d'affection. Parce que le perso comprend en plus de Barrett. Pardon. Sa valeur d'affection monte. Donc prenez Nanaki si vous voulez Barrett. Et après le deuxième c'est à Gongaga. On peut avoir Aerith ou Tifa avec soi. Et leur parler en leur. Pour leur faire baisser leur valeur d'affection. Ou monter selon ce qu'on répond. J'ai fait aucun des deux. J'espère que ça sera bon. Alors mange ta soupe. Ça c'est un peu what the fuck, mais on en saura plus dans pas longtemps.
Désolé si vous entendez des bruits. C'est mon chat, je peux pas y faire grand chose. Voilà. Donc là, Bugonagun va nous montrer. Le. Bordel. Voilà. Va nous montrer. Son labo, en gros. Son planétarium, on va dire. Alors, il me semble qu'il y a des matériaux, je sais plus où c'est. Donc, en tout cas, on va même parler à Ketsi pour aller plus vite. On va demander à lui, parce que, c'est quand même... C'est quand même lui qui voulait venir ici. Et puis à Iris, parce que... Je sais pas. Parce que c'est une cétrale, elle doit protéger la planète, voilà. Et puis on va y retourner. Merde, j'ai oublié de faire un truc. Bon, je le ferai en sortant, c'est pas. Voilà. Donc là, on va à droite. Vous allez voir, ça c'est assez cool. Donc il est un peu bizarre avec Bugonagon, il flotte, on sait pas s'il y a une boule sur une boule de cristal ou... ou s'il est cul-de-jatte. Donc ça je pense que dans le remake ça va être vraiment magnifique. À moins de vraiment faire un truc très beau, j'espère que... qu'ils vont gérer. Voilà, ça c'est très important la rivière de la vie. Plus tard dans le jeu, ça va être vraiment important. Donc la rivière de la vie, en gros, c'est l'âme des êtres vivants de la planète. Quoi. Bon, les gens rouges et jaunes, ça fait pas vert là, ça fait orange. Non, on s'en fout de ça, mais. Non, c'est parce que la rivière de la vie, c'est vert. On la verra plus tard. Planète pourrie.
Voilà. Donc le futuroscope, le futicité de l'espace, tout ça, là, faudrait améliorer votre merde, là, parce que même dans FF7, c'est plus beau. Hein. Alors que le jeu, il a, il y a 18 ans. Vous savez faire des trucs beaux avec de la vieille 3D, quand même. Alors, allons-y. Encore un truc qu'on aurait dû faire dès l'entrée dans le village, mais que j'ai pas fait. Ah, attendez, je laisse qu'il se réveille celui-là. Réveille-toi! Ah, faut lui parler deux fois. Ah, il a des matériaux très bien, comme vous voyez. C'est vraiment puissant. Hein. Bon, ça sert à rien qu'on ait level max, mais ça j'ai pas. Mais vous voyez, ça coûte beaucoup trop cher pour moi, quoi. C'est bien dommage. Du coup, on va bouger. Et on va aller ouais là non là 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 voilà donc déjà là c'est ça c'est l'auberge et il y a ici l'affiche du Turtle Paradise numéro 5 qui je vous rappelle sert à avoir une source de chaque stat on les aura toutes trouvées on va se soigner parce que là on est vraiment en... dans la merde. Là, si je fais un donjon maintenant, je crève sur le premier ennemi, hein. J'ai plus aucune magie. Ah, il me semble qu'il y a un truc dans la chambre. Ah, voilà. Je connais pas par cœur le nom de tous les objets cachés, il y en a beaucoup. Mais ça, c'est un de ceux que je connais. Je me rappelle pas qui disait tout ça lui. La boule du cosmos c'est le feu de camp là en fait. Qu'est-ce qu'il dit lui? Voilà. Le professeur Gast, en fait, c'est un peu, c'est un mec très important. Je sais pas, je crois pas qu'on apprenne plus sur lui plus tard, mais j'ai peur de vous spoiler, donc je vous en parlerai plus tard. Mais c'est quelqu'un d'important. Donc c'est celui qui a trouvé Genova, mais c'est pas tout. Donc là, faut parler à tout le monde et à Rouge 13 en dernier pour continuer le jeu. Ça c'est bien comme esprit. Par le Tifa. Ah, mais ça, c'est parce que je dois monter la valeur d'affection de Barrette.
Non, je déconne. Mais la valeur d'affection, ça change des dialogues hein, aussi. Hein. Ça change pas que la scène au gueule se sphère. La gueule. Qu'est-il, ça sert à rien de parler, il dit rien, ou juste une phrase. On va prendre Iris parce que maintenant le leur d'affection on s'en fout. Donc c'est dommage parce que. Voilà. Elle a un niveau plus bas que les autres. Et puis on va s'équiper de. Mais pourquoi il est en avant lui? S'il est à longue portée, faut qu'il se foute derrière. Voler talent de l'ennemi, élément, couverture. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? On va lui mettre ça pour augmenter le niveau. Hâte, lance, stop, crapaud. Feu, allez, ouais, feu. Terre, foudre. On va plutôt le mettre à Iris, ça, par contre. On va les équiper, eux, parce qu'ils ont rien. Oups. On va lui mettre son compte de fées à elle. Esprit plus 10, vitalité, plutôt des dégâts si possible. Bon oh, écoutez, je vais le faire hors vidéo, je vais pas vous emmerder avec ça. Du coup là il va y avoir un donjon hein, en gros. Ce que je vais faire, je vais sauvegarder ici. Parce que sinon la vidéo va faire 40 minutes au moins. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, même si on n'a pas eu grand chose à part le Cosmo Canyon, mais c'est un endroit assez sympa, je trouve. Qui est assez connu dans le domaine du RPG, parce que bon, la musique, l'ambiance, tout ça est vraiment bien travaillé, c'est vraiment sympa. Je vous dis à la prochaine, pour du coup ce que va nous montrer Bugenhagen, on sait pas ce que c'est. Peut-être des Bugenhagendaz. Non, je rigole. Voilà, sur cette blague pourrie, je vous dis à la prochaine, salut!